Bonjour à tous. Alors, on va continuer notre série. Alors, maintenant, on va réaliser l'exercice 2 qui demande en fait d'insérer un élément dans notre tableau. Alors, notre tableau est considéré en fait trié dans l'ordre croissant. D'accord? Alors, on va obtenir notre tableau de dimension n plus 1 après l'insertion du site valeur binaire. D'accord, l'autre tableau, il est trié par ordre croissant. Alors, il a n plus 1 valeur et indéfini, c'est-à-dire on ne connaît pas ce qui est négatif, positif ou quoi. D'accord. Alors, on va insérer de tout simplement une valeur val donnée au clavier de notre tableau de manière à obtenir un tableau de n plus 1 valeur triée. C'est-à-dire, l'idée, on va insérer une valeur, d'accord, dans un tableau trié en ordre croissant et on doit conserver notre tableau trié dans l'ordre croissant. D'accord? Alors, par exemple, on va en fait passer à la partie pratique pour bien comprendre. D'accord? Alors, ce que je demandais, c'est la partie déclaration d'abord. Nous avons notre tableau de taille maximum 50. Max est égal à 50. D'accord? C'est le tableau donné. La var, c'est la valeur à insérer. N, c'est la dimension, I, c'est l'indice courant. D'accord? Alors, c'est la saisie des données. Alors, c'est pour la dimension de notre tableau. Et ici, c'est la saisie de chaque élément de notre tableau. D'accord? Alors, ici, on va demander à l'utilisateur d'entrer l'élément à insérer. D'accord? Alors, c'est notre val. Alors, on va la récupérer. D'accord. Alors, c'est l'affichage de notre tableau donné, c'est-à-dire notre tableau initial, comme vous voyez ici. Alors, maintenant, l'idée, en fait, supposons que c'est ça notre tableau, il est dans l'ordre croissant. 1, 4, 5, in. D'accord. Il est dans l'ordre croissant. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de déplacer les éléments plus grands que la valeur. Par exemple, on va entrer 2. D'accord. 2 doit être. Avoir la position derrière 1, derrière le premier élément. D'accord? Alors, 9, il est supérieur à 2. D'accord? Supposons par exemple, on va entrer ici 2. D'accord? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer des derniers éléments de notre tableau, c'est-à-dire par 9. 9 est supérieur à 2, on va le déplacer et incrémenter. 5 est supérieur à 2, on va incrémenter. Déplacer 4, même on va déplacer un nom, il doit rester. Alors, c'est le dernier élément déplacé. On va insérer notre 2. D'accord. Alors, c'est ça l'idée générale. D'accord. Alors, val d'une position vers l'arrière. D'accord. Alors, c'est ça l'idée en fait. Alors, on va essayer de pratiquer ça. Alors, on va utiliser le boucle for comme j'ai dit, grand T est égal à grand N. D'accord? Parce qu'on va commencer d'ici des derniers éléments. D'accord? Alors, point virgule, quoi d'autre? Entre parenthèses, I doit être supérieur à 0. Il y a la deuxième condition, c'est que A de I moins 1, d'accord? A de I moins 1, il doit être supérieur à 20. Un autre valeur, d'accord? I moins moins. Alors, entre les accolades, quoi? Alors, cette valeur-là, il va prendre la valeur qui est avant. D'accord? Ça veut dire en fait A de I est égal à A de I moins 1. D'accord? Point virgule. Alors, I est égal à N. Ça veut dire, dans ce cas, est égal à 4. Ça veut dire, la valeur, la position de 9 va prendre 5. Et 5 va prendre 2 de 4. Et ici, on va insérer notre 2. D'accord? Et 9, il va prendre la dernière case du tableau. D'accord? Alors, c'est ça, en fait, la partie qui va nous permettre de déplacer
Alors ici, dans cette partie-là, on a déplacé les valeurs qui sont supérieures à 20. D'accord? Alors, supposons par exemple notre val est égal à 2. D'accord? Alors, net est supérieur à 2. Alors, on va la déplacer. D'accord? I moins moins. Alors, 5 est supérieur à 2. On va la déplacer. 4 est supérieur. On va la déplacer. 1 n'est pas supérieur à 2. Alors, il va restera dans sa position. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? L'aval est copié à la position du dernier élément déplacé. Ici, le dernier élément déplacé, c'est le 4. Le 4 est égal à quoi? Le 4, c'est le dernier élément, ça veut dire le A de I. Alors, de tout simplement, A de I est égal à val. D'accord, point virgule. Alors, A de I, c'est ça la 4 en fait au début, c'était A de 1. Alors maintenant, A de 1, il va prendre notre val qui est égal à 2. Alors, comme vous voyez, le tableau restera trié dans l'ordre croissant, d'accord? Voilà, alors, nouvelle dimension du tableau. En fait, c'est, on va l'incrémenter, ça veut dire 1 plus plus. D'accord? Point virgule. Alors, et maintenant, on va afficher notre tableau résultant de tout simplement. Alors, on va tester notre programme. Et j'espère que la vidéo est bien claire. Alors, par exemple, on va pratiquer cet exemple. Alors, on va entrer 4 éléments. Alors, 1, 4, 5, 6. D'accord. Alors, on va entrer 2. Voilà notre tableau. Ah, pardon, ici le tableau n'est pas trié. Alors on doit, par exemple, on va entrer 1, 4, 5, INF. D'accord. Alors, 4, 1, 4, 5, INF. Alors on va entrer 2. Voilà notre tableau qui est trié. 1. Pardon. 1. 4, 5, INF. On a inséré le 2. Alors, notre tableau restera toujours trié. D'accord? Alors, c'est ça, en fait, la partie qui répond à l'exercice. Et merci pour votre attention.